Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions de la saccade, puisque lorsqu'une mise à jour de merde se télécharge pendant qu'on fait une capture chère de la PS4, le son de la voix saccade. En direct découverte pour cette 1341e revue de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout, puisqu'il s'agit de ce qui est écrit sur le livre. 1, 2, 3, start. Je vais baisser dans les options le son. Donc ça fait partie du jeu. La musique est sympa. Volume des musiques, on va mettre à 50%. Ça fait partie des jeux qui sont gratuits ce mois-ci sur le PS Plus, mes puces. Once upon a time, Donc j'en sais pas plus, mes puces, et je compte pas faire ça toute ma vie. Hein. C'est-à-dire que quand je faisais des reviews de jeux anciens, on me disait certains qui se coupaient après, ils me disaient, mais pourquoi tu fais pas de next-gen? Là, j'ai fait quelques jeux next-gen et on a l'air de me reprocher. Alors, je sais pas si c'est un. Parce que les jeux PSN, quand je clique sur la présentation, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à avoir une petite vidéo qui pourrait me montrer par exemple à quoi ressemble le jeu. Si c'est un jeu en 3D, un jeu en vue de dessus. Donc là on peut pas zapper, pour l'instant je peux pas vous faire pli de ma science vidéoludique, je sais pas quoi vous raconter. Est-ce que c'est un esti de hack and slash en vue perspective cavalière ou simili vue de dessus trois quarts, on sait plus trop. Je peux pas vous dire la différence, je vais essayer entre vue de dessus quand c'est un vue de dessus trois quarts quand c'est un jeu en simili 3D. Il y a quand même une esti de point de fuite, je vais rester très technique, au niveau de l'axe vertical. Parce que vous le savez comme moi que quand on fait un dessin en simili 2D, 3D, il y a deux points de fuite. Ça s'appelle la perspective à deux points de fuite, c'est-à-dire les verticales, non, les horizontales et les perpendiculaires à l'horizontale, plutôt les parallèles. Et mais il y a aussi l'axe vertical qui est un troisième point de fuite. Donc là, par contre, une vue en perspective cavalière, il y a le point de fuite fait que toutes les verticales sont parallèles, alors qu'avec un point de fuite, elles convergent toutes vers un point. Donc si c'est là, j'essaie de meubler. Hein. Si c'est une vue de dessus, le point de fuite vertical sera en bas de la page, alors que si c'est vu de dessous, ce sera vers le haut. Donc là, ben, grande surprise, le jeu me plaît, ça, je sais pas le rendu. Alors c'est l'autre, il y a un autre jeu où c'est un rendu plutôt avec des chevaliers où je pense que je l'ai moins kiffé. Là de suite, ça a l'air de me plaire, ouais. Alors, on peut pas bouger caméra droite et gauche, attendez, R et L, on peut pas. Donc là, visuellement, ça me plaît, hein. Il y a un petit mélange, voilà, il y a un mur invisible. On peut sauter, pour l'instant, je peux donner... Avec triangle je peux rien, avec X je peux pas sauter. On a quand même un jeu next-gen ou alors c'est peut-être après au fur et à mesure de notre pérégrination on pourra donc là c'est bien, il n'y aura pas de problème de tomber dans le vide. On a des jeux peut-être qu'au fur et à mesure on pourra avoir des touches supplémentaires. Il y a des mises à jour toutes les 5 minutes, c'est pénible. Bon, le jeu est très très beau, enchanteur, machin. J'espère qu'il faudra voir s'il dure longtemps parce que le jeu, je vous avais testé. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est beau là, on a envie de descendre en bas. Il y a un côté Maya-esque. Loqué. Il y a une époque où j'aurais aimé Loqué, Maya, Loqué. Une époque Maya où j'aurais aimé Loqué, Maya, Loqué. Oui, comment ça s'appelle là, le Deadly Towers? Le jeu m'avait plu, mais finalement c'était assez limité, quoi. Au bout de 6 heures. Donc... Oh purée, Zelda, Zelda, Zelda Wii U, Zelda Nintendo Switch, prends-en de la graine. C'est assez statique, c'est ça qui est un petit peu dommage. Coffret peut interrompre toute action. Compris.
J'ai pas compris. J'ai pas compris, avec R ou avec L, on comprend pas. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire, on comprend pas, le bouton L ou... Si j'appuie sur L et carré, ça contrepasse, je comprends pas. Ouais, ce qui est un peu dommage, je pense, le jeu, c'est que c'est trop plan-plan, là. C'est pas... La vue de dessus ne fonctionne pas du tout avec le parti pris du jeu qui se veut peut-être un jeu d'action... RPG action, je sais pas, ou plateforme action RPG, on sait plus trop. Eux-mêmes ne savent pas, mais c'est assez mou, quoi. C'est un peu dommage, on peut pas bouger la caméra. Le personnage, il est peut-être stylé, mais il est vu trop loin, visé, relâché pour lancer, je comprends pas. C'est le genre de jeu où, en fait... Oh, je suis pas tombé. Genre de jeu où je sais plus ce que je voulais dire. Le personnage, il est peut-être stylé, mais il est vu de tellement loin, je vois pas à quoi ils se sont fait chier les graphistes et tout à faire un visage au personnage, puisqu'on est à vue de 3 km en hauteur, on le voit de dos, 3 km de haut. Ça sert strictement à rien, quoi. C'est un chara-design, le mec il s'est fait chier à faire son chara-design, on peut pas, il est pas visible. Ça sert à rien, quoi. Du coup, je pense que j'ai pas joué longtemps, quoi. Il peut être beau, mais il me plaît pas des masses, quoi. Il manque de... Dommage, ce parti pris. J'espère que ça va changer après, mais si c'est comme ça... Ok. On peut pas sauter, ouais. J'ai plein de boutons et en fait, j'ai pas l'utilité. Tout se fait avec carré, oui. C'est comme... c'est le syndrome Naruto. Où on a qu'un seul bouton pour faire toutes les actions différentes, sauf que c'est un peu comme le chinois ou le mandarin. Si tu dis che, ça veut dire quelque chose. Si tu dis che, ça veut dire quelque chose d'autre. Si tu dis che, ou alors che et che, ça veut dire aussi autre chose. Donc ça va me gonfler. Suivant. Ceci est le menu fabrication d'épée. Et si vous pouvez fabriquer et mettre à niveau de puissance d'épée magique. Oui, bon, ça m'a... Okay. Waouh. Super, j'espère que j'aurai un trophée pour ça. Ouais, le jeu va me gonfler. Alors, j'ai pas pu rattraper de l'énergie. Me remettre de l'énergie, pardon. Ouais, on peut pas sauter, c'est un peu dommage. Le jeu, sinon, il aurait pu être sympa. Hein. Après, faut laisser sa chance aux chansons. Donc, j'ai pas non plus à avoir un avis très définitif, mais bon. Il y a des gens qui font des vidéos qui ne donnent pas leur avis. Alors, je comprends pas trop l'intérêt de la chose. Donc, ou alors, ce sont des avis où ils ne se mouillent pas. Donc j'avais déjà fait il y a quelques années une vidéo où je n'émettais aucun jugement. Et même de dire que ça c'est émettre un jugement. Donc je sais plus comment j'avais fait. Les tournures de phrases qui voulaient rien dire, ça servait strictement à rien. C'était un bel exercice de style, mais là j'ai plus trop la motivation et surtout que je l'ai déjà fait. Donc je sais même pas quelle était la vidéo. Le jeu, il aurait pu être plus avec une caméra à la Zelda Wind Waker. Ça aurait pu être vraiment un truc super sympa, la bonne pioche, comme dirait l'autre. Pour l'instant, j'ai pas compris la différence entre parer et attaquer. Ok. Ouais, bon, ça m'énerve. J'ai l'impression d'être trop spectateur de ce qu'il faut faire. Je vois pas les personnages alors que j'aime bien les petits renards. Ça aurait pu faire un côté Star Fox Adventures. Mais... même l'aptitude, je veux bien, mais si c'est pour un sauce, vous pouvez chier des bulles. Alors ça, vous pouvez chier carré. C'est une aptitude, vous pouvez faire un pas devant l'autre. Oh, que c'est pénible. Tir de grappin, oui, c'est peut-être celui-là qui est recommandé à faire. Appuyer sur truc. Ok, voilà, et j'ai un trophée parce que j'ai appuyé sur le bouton. Voilà, ça me gave un petit peu. Hop là.
C'est un peu le degré zéro quoi. C'est con, bah, c'est beau là en dessous et tout, mais on n'a pas. Je sais pas. C'est même pas épique. Dans Zelda Link to the Past, on avait un grappin. Putain, quand on l'avait, on était les maîtres du monde. Quand on se disait, mais on va pouvoir aller partout et tout. Là, on l'a d'emblée, mais on nous fait qu'il y a un trophée alors qu'on a juste suivi le jeu qui a un tunnel pour le moment. C'est de la plateforme tunnelisante. Si vous me permettez l'acronisme. Là, il y a un mec qui me parle. Puis tout à l'heure, je sais même pas pourquoi. Tout ça pour suivre en fait un tunnel. C'est tellement téléguidé que. On se croirait dans Zelda Skyward Sword. Tellement c'est téléphoné. Oh purée. Waouh! Ça c'est d'infiltration. Et je suis mort en le butant, c'est ça? Ok. Comme dirait l'autre, ok la vanne. Ah, Dark Souls, redémarrer au point de contrôle, vous êtes mort. Super. J'espère qu'on va pas se retaper la cinématique en toc. Oui, allez, dépêche-toi, on peut pas zapper ces putains de cinématiques qui n'en sont pas. Ma foi, c'est vraiment spécial. Alors, il y a un côté Aragami dans le cel shading 3D. Visuellement, même l'univers, je préfère à Aragami. Mais bon, c'est un système où je comprends pas. Je réitère mon propos. Faire payer un mec, un graphiste ou un chara-designer qui, au final, se fait chier à vous faire un personnage qu'on ne voit jamais de face. Et on le voit toujours à 3 km de haut. Donc, c'est de la haute résolution et tout. Et donc, ça sert à quoi? Puisqu'il n'y a pas de. Pardon, Abdouap. Il n'y a aucun, détail, puisqu'on voit pas. Le mec, il s'est fait chier, j'imagine, à faire des textures, des détails. En plus, on peut pas sauter. Alors, peut-être ça sera une action plus tard. Yves. Yves, le prénom, bien sûr. Donc là, c'est génial, on peut casser. On a vraiment à disposition le moteur graphique Avoc, qui a fait vraiment le succès de Demon's Souls. Après le jeu est gratuit. Oula, j'ai eu peur, je me suis dit ça freeze. D'accord, une belle ellipse, ça fait. On a même pas le temps de casser des briques. Et bon. Voilà, super, un trophée, vous avancez dans le jeu. Waouh, avec un beau chapitre. Non, c'est beau quoi, mais c'est. Tout ça pour ça, quoi. Là, je trouve ça plan. J'espère que c'est juste une mise en bouche. Junior W. Et qu'après, ça va être un petit peu mieux. Parce que là, on se sent. On se dit qu'on est en 2016. On a du gameplay. C'est tellement assisté. La moindre merde. Prend des plombes. Et on a besoin d'une base de données. Ou je sais plus quoi. Allez, putain, on peut pas zapper ces merdes. Zapper, mais putain. Là, ça fait sûrement 20 minutes. J'ai dû faire même pas 2 minutes de gameplay dans ce truc-là. Je vois pas l'intérêt. En plus, je lis même pas ce qu'il y a écrit dans leur merde. Du coup, je comprends même pas quelle est l'histoire du truc. Beaucoup de blabla et pas de gameplay, aucun level design en 2016, quoi. Merci. Allez, on s'en fout de Renardo. Peut-être de devoir meubler en 2016 encore sur des cinématiques. Des cinématiques cygonomiques, ça. Pardon, cygomatiques. Des cinématiques cygomatiques, pardon. Voilà, je suis content. Oh, deux, voilà, bien sûr, le trophée, j'ai appuyé sur le bouton, j'avais deux choix, deux, simplement deux. C'est vraiment fou, quoi. Alors, ils ont enlevé maintenant, soi-disant, les temps de chargement, mais on a des cinématiques qu'on peut pas passer. Passer, allez, fais la passe. Là, un temps de chargement, alors que c'est vraiment... qu'on voit comment il puisse y avoir des temps de chargement aussi longs pour un univers, plutôt un environnement en 3D qui est assez simpliste, quoi. En même temps, je maîtrise pas le sujet.
Les musiques sont bien faites. Allez, putain, zap. Allez, on peut jouer enfin là, ça me saoule. Putain, beaucoup de blabla, hein, c'est pénible quand même. Les jeux comme ça nous assomment de blabla, on n'en a rien à foutre de leur vie. C'est hashtag Balek, quoi. Ouais, non, mais le jeu va être trop loin, trop haut, j'ai pas l'impression d'être dans l'histoire. Ça pourrait être stylé, c'est vrai que ça me... Je suis déçu, quoi. C'est pas un jeu, on va dire, attachant. On voit encore rien et tout, on a l'impression que c'est empoulé, quoi. On est en 2016 et encore ça. On n'est pas dans l'action, on est spectateur, on a des trucs... Puis c'est un univers, c'est pas de l'open world, donc je m'attendais pas, mais... Il y a des décors, mais finalement, il n'y a pas matière à se dire je vais aller dans un recoin pour grappiller un truc, même pas. C'est que des tunnels comme ça, c'est linéaire, c'est téléguidé. C'est du linéaire téléphoné. J'aime pas du tout. Putain, quelle exploration! Waouh! Ouais, il n'y a même pas de plaisir, il n'y a pas d'ennemis là. Les combats, on sait pas trop. C'est ni fait ni à faire. Il n'y a pas de carte, hein. Le bouton, donc écoutez, moi je vais me casser de là parce que ça m'intéresse pas, comme ça je vais faire de la place sur la le disque dur de la PS4, tant pis, hein. j'ai raté ma vie, je suis vraiment une ordure, j'ai pas laissé sa chance au jeu, juste on va tester, est-ce que continuer la partie, jusqu'où ça va, est-ce qu'il y a une sauvegarde automatique ou pas. Ou est-ce que c'est vraiment le premier checkpoint? Donc est-ce que je vais devoir me retaper la cinématique avec le choix du skyscraper? Sur ce, ciao Pepito. Et à plus mes puces. C'était, je sais même pas le nom du jeu, Stories of... Bon, on va voir le titre. Of... Le mec a dû faire les chara-design, il a dû se faire chier à faire des visages, des expressions avec ses personnages vus de profil, vus de face, et au final on les voit même pas. Stories, The Path of Destiny.